Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette quatrième édition des webinaires organisés dans le cadre de la célébration des 50 ans du centre INRAE Toulouse. Revenons un instant, 41 ans en arrière, 1979, c'est la création du SAD, un nouveau département de l'INRA. Le département système agraire et développement, qui deviendra plus tard département sciences pour l'action et la décision, et récemment avec la création d'INRAE, le département acte pour action, transition et territoire. L'Assemblée constituante, un moment véritablement fondateur, est organisée ici à Toulouse à l'initiative de Jean-Claude Flamand. Certains s'en souviennent. Peut-être, même si c'est déjà un peu loin, Bertrand Vissac, le premier chef de ce département, invite alors ses collègues, je cite, à entrer en dissidence. Je crois qu'il faut en effet se souvenir combien la création du SAD cristallise, dans ce moment d'effervescence pour la recherche agronomique, des critiques de ce qu'on peut qualifier à l'époque comme le modèle dominant de la recherche agronomique. Et cette critique introduit un triple décalage. Décalage d'abord par rapport aux destinataires de la recherche, les agriculteurs. Et donc il s'agit ici de se départir d'une conception linéaire et descendante du progrès technique et de travailler sur les pratiques et sur les raisons des agriculteurs de faire ce qu'ils font. En deuxième lieu, décalage par rapport à des approches qui peuvent être qualifiées comme réductionnistes. Il s'agit ici de saisir le fonctionnement des systèmes agraires et des systèmes d'exploitation dans leur complexité, en intégrant différentes dimensions, les différentes dimensions environnementales, dimensions biologiques, dimensions sociales et dimensions économiques et humaines. Et enfin, troisièmement, un décalage par rapport à une organisation de la recherche en silo disciplinaire. Les chercheurs qui rejoignent alors le SAD viennent de différentes disciplines, principalement l'agronomie, la génétique animale, la zootechnie, l'économie et l'écologie. Et ils adhèrent tous à un impératif, qui est l'impératif d'une recherche interdisciplinaire et transdisciplinaire, même si le terme n'est pas utilisé à l'époque. Plus de 40 ans après cet acte fondateur, qu'est-il advenu de cette volonté de renouveler les recherches? Quelle part y ont pris les équipes toulousaines? Les approches système sont-elles encore porteuses de dissidence ou bien sont-elles d'une certaine façon banalisées? Au moment où nous célébrons les 50 ans de notre centre, il nous a semblé essentiel de revenir sur Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Hubert et Clélia Sirami. Bernard est vétérinaire et écologue. Il a rejoint l'INRA au début des années 1980, après une dizaine d'années comme chercheur à l'Orstom. Il a notamment dirigé le département SAD entre 1994 et 2002. Clélia est écologue. Elle a été formée au CEF à Montpellier. Elle a travaillé en Afrique du Sud et dans plusieurs pays européens sur l'économie des paysages, l'écologie des paysages, pardon, et sur les interactions entre agriculture et biodiversité. Avant de rejoindre l'INRA en 2015, elle est aujourd'hui directrice de l'UMR d'INAFOR. Voilà, avant d'entrer dans le débat, je vais passer la parole à Sandra qui va nous faire les recommandations afin que nous utilisions cette plateforme de façon optimale. Merci Pierre-Benoît. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vois qu'il y a une trentaine de personnes qui sont connectées. Donc, on vous a effectivement mis sur cette slide, vous avez trois rubriques. Donc, une rubrique chat sur laquelle vous pouvez nous indiquer si vous avez des problèmes de son, des problèmes de connexion. Pendant la conférence, vous avez une rubrique questions dans laquelle vous pouvez poser vos questions pendant, n'hésitez pas, hein, pendant la conférence. Vous pouvez aussi voter pour certaines questions si vous voulez. Et donc Pierre-Benoît regardera ça et puis réagira en donnant la parole donc à Bernard ou à Clélia pour pouvoir y répondre. Voilà, donc vos micros, effectivement, les caméras sont coupées pour une meilleure
une meilleure connexion. Donc, cette conférence est filmée et enregistrée. Donc, on la publiera donc sur la chaîne YouTube du centre et elle sera rediffusée dans les jours qui viennent via l'intranet de centre pour ceux qui souhaitent la revoir ou la communiquer, bien sûr, à ceux qui n'auraient pas pu être là aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci beaucoup, Sandra. Je me tourne à présent, enfin, si je puis dire, vers Bernard pour lui adresser la première question. Bon, j'ai évoqué en fait les années 70 et cette période de création du SAD. Est-ce que tu peux revenir sur les grands thèmes des discussions sur le rôle de la recherche agronomique dans les années 1970? Merci Pierre-Benoît. Bon, bonjour à toutes et à tous et merci pour cette invitation à cette causerie dans le cadre donc du 50e anniversaire de votre centre. Moi, je peux dire comment j'ai vu les choses, parce que moi, comme tu l'as rappelé, hein, moi, je n'ai rejoint l'INRA qu'en 1981, ayant passé, en fait, des années antérieures en Afrique de l'Ouest à travailler sur des questions d'écologie qui n'avaient absolument rien à voir avec des questions agronomiques, puisque c'était l'écologie de population de rongeurs sauvages en relation avec des problèmes d'anthropozoonose. Donc, je travaillais surtout avec des épidémiologistes humains. Donc, voilà. Maintenant, ce que j'ai compris de l'INRA, de la création du SAD, donc, comme tu l'as rappelé, création du SAD 79. Donc, on va dire à un moment, je pense, clé, depuis 20 ans, les années 60-70, l'INRA était vraiment l'outil recherche de la modernisation de l'agriculture en France, dans le cadre, des politiques agricoles françaises, et puis de la PAC, hein, qui date des années 62, avec les figures de Pisani. Et l'INRA était vraiment... il faut dire que cette modernisation s'est faite avec un appui considérable de l'État, hein, en recherche publique, et donc produisant des connaissances et des méthodologies mises à disposition gratuitement. Recherche publique, ça a été l'INRA et le CEMAGREF. Ça a été un dispositif de formation à tous les niveaux, hein, les écoles d'ingénieurs agronomes, les écoles VETO, les lycées agricoles, hein, la mise en place d'une centaine de lycées agricoles, c'est-à-dire au moins un par département. Ça a été aussi la mise en place des instituts techniques qui, dans la vision descendante que rappelait Pierre Benoît, était un peu un intermédiaire entre la recherche et la vulgarisation. Ça a été tout ce qu'on a appelé aussi la co-gestion avec la profession agricole, les chambres d'agriculture, etc. C'est un énorme dispositif de transformation des activités agricoles en France, appuyé entre autres donc, sur la recherche, la formation et l'introduction de technologies, avec derrière ça un modèle très fort qui était le modèle nord-américain, hein, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, et qui était le modèle de la modernisation, qui est en fait une rationalisation. Bon, très rapidement en un mot, hein, à l'époque, il y avait en gros 3,5 millions d'exploitations, 5 millions de paysans à l'époque dans les années 50. On est aujourd'hui à 450 000 exploitations agricoles. Donc ça a eu un effet quand même transformatif significatif. À la fin des années 70, donc 20 ans de cette période-là, ça marchait quand même pas partout. Parfaitement ce modèle descendant. Il y avait des résistances dans différents endroits, y compris dans les endroits les plus performants, comme la Bretagne. Hein. C'est quand même autour de ces zones-là que les réseaux RAD ont commencé à se constituer, à savoir des éleveurs bovins qui ont préféré travailler sur le pâturage d'un mélange raie gras, trèfle violet, plutôt que de s'engager dans l'achat d'aliments, donc dans des zones très performantes des résistances, certaines aussi dans le bassin parisien. Et puis les zones marginales, les zones de montagne qui ne marchaient absolument pas là-dedans et qui du coup bénéficiaient de la couverture politique, qui est encore d'ailleurs celle la principale utilisée pour ces zones-là, des indemnités compensatrices, des handicaps naturels. Donc c'est des zones laissées pour compte. Donc il y a quand même eu une réflexion à ce moment-là sur pourquoi est-ce qu'il y a de telles résistances dans certaines régions favorisées et pourquoi ça passe pas du tout
ce modèle-là dans une partie du territoire national, non négligeable, et qui était des zones agricoles importantes avant. Et c'est pour ça qu'à l'époque, alors c'est intéressant aussi de le signaler, Jacques Poli, qui était, je crois, le directeur général, je ne sais pas qu'il était PDG, enfin bon, peu importe, qui est un exemple, enfin qui est exemplaire de cette période de l'INRA, puisqu'il avait lui-même quitté à un moment donné ses fonctions de chef du département de génétique animale pour devenir le conseiller technique au cabinet d'Edgar Faure, ministre de l'Agriculture, où il a produit la loi sur l'élevage. Hein, donc, le chef du département de génétique animale de l'INRA passe au cabinet et écrit la loi sur l'élevage. Loi sur l'élevage qui était encore en cours jusqu'il y a quelques années, où elle a été reformatée différemment. Et Jacques Poli, à ce moment-là, a joué, comme il a su le faire un certain nombre de fois, deux cartes à la fois. Il a créé, quelque part, a joué en Josas, ce qui s'appelle Jouy 2000, hein, qui était le développement des biotechnologies. Et puis, il a fait créer le SAD. Et il a confié la création du SAD, la responsabilité de la création du SAD à Bertrand Vissac, que Pierre-Benoît vient d'évoquer, qui avait été son successeur comme chef du département de génétique animale. Hein, donc, le cœur du progrès technique. Et pour tout dire, la spécialité de Bertrand Vissac, lui, c'était les bovins et les bovins culards. Hein, donc, il était vraiment complètement dans ce schéma de transformation et de performance. Et l'idée avait été de créer au sein de l'INRA donc un département, donc avec le statut de département. Bon, il devait y avoir à l'époque, moi je n'étais pas là, mais peut-être une vingtaine de départements. Hein, quand je suis arrivé, il y en avait 17 ou 18. De créer un nouveau département qui s'est appelé Système Agraire et Développement et qui en gros s'est constitué sur trois racines existantes. De chercheurs de l'INRA, ou pas tout à fait de l'INRA d'ailleurs, sensibles à cette argumentation sur il faut revoir la manière dont on fait de la recherche, il faut revoir la manière dont on travaille avec la profession agricole, avec le système de conseil technique. Ces trois branches, ça a été une branche qui s'appelait le service d'expérimentation et d'information, qui était localisé à Versailles, qui regroupait des chercheurs autour d'une figure, Jean-Pierre Desfontaines, donc, qu'on a qualifié de géoagronome, qui était le fils d'un grand géographe français, Desfontaines, et qui lui-même était agronome et qui a porté une vision très spécialisée de l'agronomie, on va le dire comme ça pour être bref, alliés eux-mêmes avec une équipe venant de Dijon, d'économistes et d'agronomes et de zootechniciens aussi, Dijon étant une des écoles du ministère de l'Agriculture formant ce qu'on appelait à l'époque les ingénieurs d'agronomie, qui était un corps différent du GREF, qui était le corps des futurs enseignants dans les lycées agricoles. Et donc une formation, donc on va dire, assez professionnelle de gens qui étaient au contact avec le développement, donc les grandes figures, là, pour ceux qui s'en souviennent, c'est Michel Petit, ça a été un zootechnicien qui malheureusement a disparu très vite, Tessier, Joseph Bonnemer, Jacques Brossier. Donc ça, c'est une première branche en alliance. La deuxième racine, assez significative, elle vient de Michel Sébillotte, Aline APG, donc Claude Bernard, mais tout à fait en rupture avec la plupart des autres chairs. Hein, Michel Sébillotte, parlant, lui, d'une chaire d'agronomie. Il faut se rappeler à l'époque que, par exemple, à Dijon, la chaire, elle s'appelait phytotechnie. On ne parlait pas d'agronomie. On avait une chaire de zootechnie et une chaire de phytotechnie, hein, les technologies de la plante. Voilà. Donc, Michel Sébillotte, à l'INAPG, avec une vision assez en rupture avec la pensée classique et la formation des ingénieurs agronomes. Troisième branche, donc, autour de Jean-Claude Flamand, et qui repose, Jean-Claude Flamand lui-même, généticien, animal, ayant travaillé à la phage sur la brebis Lacaune, où il a succédé en tant que thème de travail à Jacques Poli. Hein, dont lui, Jacques Poli venait pas des bovins, mais des ovins.
et des Ovins, la Caune. Et c'est Jean-Claude Flamand qui lui a succédé. Et Jean-Claude a agrégé autour de lui des jeunes chercheurs qui avaient été impliqués dans des programmes de recherche dans le Massif central et dans les Pyrénées, mais beaucoup dans les Pyrénées, dans le cadre de programmes interdisciplinaires qui avaient été financés à l'époque par un dispositif qui s'appelait la DGRST, la Délégation Générale à la Recherche Scientifique et Technologique, qui était rattachée au Premier ministre et qui était un prédécesseur du ministère de la Recherche. Il n'y a pas eu de ministère, il n'y avait pas de ministère de la Recherche avant Chevènement, avant l'arrivée de Mitterrand et Chevènement en 81. Avant, c'était la DGRST et qui avait initié une succession de programmes interdisciplinaires financés, dont des programmes dont Jean-Claude Flamand était l'animateur sur les Pyrénées. Et là, il y a toute une génération de jeunes chercheurs. Donc, c'est un peu différent. La branche toulousaine, elle s'est constituée à partir de jeunes qui étaient sur des CDD, sur projet, et qui n'étaient pas forcément dans l'INRA. Je complète très simplement pour dire que Bertrand Vissac a aussi pris la décision à l'époque, qui n'était pas du tout dans le modèle INRA, de recruter des gens pour sa hiérarchie intermédiaire provenant d'hors de l'INRA. Et on a été quatre comme ça. Il y a eu, et on nous a assez vite donné des responsabilités de direction d'unité. Bon, ça a été François Valrand qui venait du Cameroun en Corse. Ça a été Étienne Landais qui venait du CIRAD, qui s'est retrouvé à Versailles. Ça a été François Papy qui venait du Maroc, qui s'est retrouvé avec Michel Sébillot à l'INAPG, agronome, lui. Étienne Landais et François Valrand étant plutôt des zootechniciens. Et puis moi, écologue, venant de l'Orstom. Donc on avait à l'époque, chacun d'entre nous, une dizaine d'années de recherche, d'expérience, de publication, hors du monde de l'INRA. Et je pense que ça a été très important aussi pour Vissac de d'appuyer la création de son département sur des gens qui ne venaient pas de l'INRA et qui avaient déjà fait leurs preuves dans la recherche ailleurs. Donc après, l'interdisciplinarité à l'époque, elle était vraiment très déclaratif, puisque comme tu l'as dit, donc puis comme je viens de vous le dire, parmi les gens de l'équipe toulousaine, il y avait des agronomes, il y avait des écologues, il y avait aussi à l'époque des économistes qui ont été ensuite Michel Blanc et Gilles Allaire. À Dijon, c'était surtout des économistes. À Versailles, des agronomes, zootechniciens, géo-agronomes. À l'INAPG, essentiellement des agronomes, mais aussi des socio-économistes. Donc c'était quand même donc vraiment une collection de disciplines qu'on mettait ensemble en espérant que la mayonnaise prendrait et puis que ça se passerait comme ça. Après, tu as posé la question de système agraire. Je ne sais pas bien pourquoi ça s'est appelé comme ça. C'était quelque chose qui renvoyait à une vision rurale et à une dimension systémique. On a très vite été embêté quand il fallait le traduire en anglais parce que agrarian system, ça ne veut pas dire grand-chose, ou au contraire, ça veut dire des choses très précises avec les courants de pensée, les agrarian studies qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on faisait. Mais disons qu'à la limite, on a tous accepté de se retrouver autour de systèmes agraires, travaillant quand même plutôt sur système d'exploitation. En tout cas, c'était assez clair pour les gens de Dijon, les gens de l'INAPG. C'est un peu moins pour des géo-agronomes, justement, comme des fontaines qui regardaient les paysages, ou les gens de Toulouse qui venaient d'approches plus localisées et combinant déjà des dimensions écologiques. Voilà ce que je peux peut-être dire moment-là. Donc, une ouverture de. Enfin, l'INRA, après 20 ans d'implication dans la modernisation, on pousse plus loin sur les biotechnos d'un côté. Et on se crée un dispositif de réflexion pour comprendre pourquoi ce beau modèle ne fonctionne pas partout et avec tout le monde. Oui, la main droite et la main gauche de Jacques Pouly sont essentielles pour comprendre ce qui se passe à cette époque. Tu l'as dit, sur les systèmes agraires, en fait, quand on recherche les papiers d'époque, on trouve plusieurs papiers importants de Pierre-Louis Hosty, qui rejoint Toulouse à partir du service d'expérimentation et d'information après la création de l'unité donc de recherche SAD à Toulouse, et qui a fait des papiers effectivement conceptuels sur cette question, qui sont très liés
à la recherche qu'ils avaient faite dans les Vosges, une recherche interdisciplinaire qu'ils avaient faite dans les Vosges au début des années 70, notamment avec, avec Michel Petit. Ma question, c'est peut-être là de voir, donc tu es chef de département entre 1994 et 2002, c'est une période importante de transformation de la structuration de la recherche à Toulouse. Quels sont pour ce domaine de recherche, quels sont pour toi les événements les plus marquants, les plus importants? Oui, alors, bon, peut-être juste un mot pour dire, Pierre-Louis Hostie, il a surtout publié et pensé système d'exploitation, hein, et le fameux, plus que système agraire, quoi, le concept de système famille d'exploitation, avec, c'est assez étonnant, quoi, c'est un papier qui est encore cité comme un des papiers séminaux du SAD, qui a été publié dans le BTI. Hein. Donc personne, je pense que personne dans l'assistance, sauf quelques vieux, doivent savoir ce que c'est, qui était le bulletin technique et d'information du ministère de l'Agriculture. Ce n'était certainement pas une revue à comité de lecture. N'empêche que si on avait de nos jours les comptages qu'on fait maintenant sur les publications, c'est probablement un des articles les plus cités. Je veux dire, voilà. Ce n'est pas l'impact factor du BTI, mais c'est la référence à ce papier de Pierre-Louis Hostie, qui a été vraiment considéré comme séminal, fondateur, mais qui est quand même plus, enfin qui est vraiment sur la notion de famille d'exploitation et assez peu système agraire. Alors maintenant, tu m'interroges sur Toulouse. Alors c'est donc, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, ce collectif toulousain, en dehors de quelques chercheurs INRA un peu plus âgés, donc venant de l'économie et qui sont assez vite repartis en économie, tout en restant ce qu'on peut appeler en économie, enfin dans le département d'économie, qu'on peut appeler quand même des compagnons de route et qu'ils sont restés très longtemps. C'était donc des jeunes qui n'étaient pas forcément intégrés à un dispositif INRA. Et là, finalement, ça n'a pas été simple, en tout cas pour moi, chef de département. Je dois dire qu'il y avait... il y avait pas mal à faire pour essayer de faire vivre ce collectif comme un collectif et que une des décisions que j'ai eu à prendre, ça a été d'abord de le séparer en deux collectifs, hein, et de créer en accord et en co-tutelle, si je peux dire, avec François Houillet, qui était à l'époque le chef du département qui devait peut-être déjà s'appeler Forêt, Prairie, enfin qui était... Département forêt et faune sauvage, non ? Oui, c'est ça, forêt et faune sauvage, voilà, c'est ça à l'époque. Mm-hmm. Et donc, de créer une unité, donc combinant aussi, accueillant aussi des écologues et des zootechniciens, mais plus sur des questions, des dynamiques paysagères, des articulations espaces forestiers, espaces cultivés, espaces pâturés. Et puis finalement, d'avoir donc une autre unité qui s'est assez vite rapprochée des agronomes, le rapprochement se faisant aussi par l'évolution des problématiques, des questions de société et du développement intellectuel et conceptuel de l'agronomie à l'INRA. Hein. Bon, je dirais quand même, quelque part dans les effets et conséquences de l'image de ces biotes qui étaient quand même profs, hein, donc qui formaient, quoi. Je veux dire, donc, il a plus ou moins fait école en tant que penseur, mais il a formé beaucoup de gens à des approches très différentes de la question de l'agronomie que les profs de phytotechnie, hein, c'est évident. Donc, finalement, ces dynamiques intellectuelles se sont rapprochées. Et du coup, ce que moi, je me suis senti comme avoir à faire, ça a été de renforcer les compétences en sciences sociales, hein, et de faire en sorte que ces agronomes soient appuyés. Alors, ils avaient quand même pas mal de collaborations avec des économistes, bien sûr, autour, entre autres, des questions hydrauliques, de gestion d'économie de l'eau, mais d'amener aussi ce qu'apportait le SAD, c'est-à-dire le rapport avec les acteurs de terrain, le rapport avec les systèmes de représentation, les formes de collaboration. Hein, donc c'est comme ça qu'on a affecté de l'ingénierie des connaissances, qu'on a affecté, on a tenté d'affecter de l'ergonomie, de la géographie,
Donc moi, j'ai surtout eu ça, j'ai senti que c'était ça qui pouvait faire changer les choses et que le SAD pouvait apporter dans une alliance avec des agronomes déjà positionnés dans le cadre de l'Institut. Voilà. Bon, ça n'a pas forcément été simple tous les jours. Il a fallu un certain nombre d'années avant que les choses se stabilisent ou se mettent en dynamique, on va le dire, comme ça. Bon, après, je pense que ça... vous pouvez bien imaginer qu'un département qui s'est constitué, bon, il y a très longtemps eu des affrontements avec la génétique animale qui, je dirais, en tant que corps constitué au sein de l'INRA, n'avait pas bien accepté que des gens comme Jean-Claude Flamand ou Bertrand Vissac finalement partent en dissidence et pas forcément, peut-être avec un peu plus de diplomatie chez Flamand, avec très peu de diplomatie chez Bertrand Vissac, pour ceux qui le connaissent, quoi. Voilà, donc il y avait des problèmes au sein de l'institution, des problèmes aussi avec la zootechnie traditionnelle, hein, qui revendiquait aussi l'approche système. Bon, on pourra éventuellement s'en dire un mot. Et puis, des collectifs très disparates, y compris avec cette question des disciplines. Donc, à un moment donné, ça a été, bon, on est toujours conditionné par des gens qui disent, bon, ben voilà, les géographes, ils vont tous partir à la retraite, il nous faut des nouveaux géographes. Et puis, qu'est-ce que peuvent apporter les sciences de gestion? Donc, à l'époque, on travaillait pas mal, encore d'ailleurs avec le CGS et le CRG. Donc, ça a été aussi de créer des interfaces. Donc, une logique aussi, un peu en termes d'équipement disciplinaire, d'investir dans des disciplines pour créer des liens avec les noyaux durs disciplinaires qui étaient forcément en dehors de la maison. On n'allait pas créer un ensemble crédible en sciences de gestion. Mais on pouvait avoir suffisamment de chercheurs proches des sciences de gestion pour travailler avec les gens à l'extérieur, les intéresser à nos affaires. Et ce n'était pas forcément très difficile avec des gens ouverts. Hein, on a comme ça eu une réflexion avec le CGS et le CSI sur l'innovation à l'INRA. Quand on s'y intéresse d'une manière un peu curieuse, le monde agricole est passionnant. Je veux dire, il est là au croisement de la technologie, de l'environnement, de l'alimentation, du monde vivant. Il va bien au-delà que c'est pas les agrarian studies, quoi. Et on a quand même réussi comme ça à intéresser plusieurs personnes. On y reviendra peut-être dans la suite quand on abordera la dimension système. Ouais, ce que tu évoques là est central, à la fois la distinction entre ces deux rameaux et qui vont être à l'origine d'un côté de l'UMR Agir et de l'autre de l'UMR Dinafor, et la construction d'une véritable interdisciplinarité en SHS. Et moi, arrivant à Toulouse depuis quelques mois, en fait, je suis frappé en fait, hein, par l'originalité et la qualité de ce qui fait là et qui vient effectivement d'efforts qui viennent de loin. Tu as mentionné Sébiot à plusieurs reprises. Quelque chose que nous a légué Sébiot, c'est le programme pour et sur le développement, qui a joué un rôle important également à Toulouse, hein, depuis 2002, puisque Toulouse n'était pas dans le PSDR 1, qui a été lancé en 1996, mais a embarqué, disons, à partir de 2002. Et donc, il y a eu trois PSDR qui ont été assez structurants. Et j'en profite, en fait, pour faire la pub, puisque lundi prochain, nous avons, l'après-midi, le colloque final à la région. En distanciel, évidemment, pour célébrer là et présenter les résultats de ce programme. Je me tourne maintenant vers Clélia. Bon, tu viens plutôt d'une culture, pour aller vite, CNRS et très internationale. Donc, tu entres à l'INRA en 2015. Donc, tu as déjà en fait une expérience de la recherche à la fois en France et à l'étranger. Quelles sont tes représentations et tes attentes quand tu arrives, ou peut-être tes craintes en fait, quand tu arrives à l'INRA?
Oui, merci Pierre-Benoît et bonjour à tous. Ma connaissance de l'histoire de l'INRA et du SAD, j'espère que la connexion va marcher parce que j'ai l'impression qu'elle est fluctuante oui, bon. Aujourd'hui. C'est bon. Je redécouvre progressivement l'histoire de l'INRA et je la connaissais très très peu avant d'arriver en fait à l'INRA en 2015, puisque comme tu l'as dit, j'étais vraiment dans d'autres sphères. J'avais finalement une connaissance du SAD, un peu une connaissance de Dynafor, et c'était là-dessus en fait que j'ai réfléchi à cette possibilité de rejoindre l'INRA, mais globalement j'avais plutôt des a priori négatifs du fait de toutes ces approches réductionnistes dont on a parlé juste avant, du fait aussi peut-être d'une image chez certains collègues CNRS un petit peu élitiste, on va dire, qui avait toujours cette image de l'INRA comme étant peut-être moins performant sur certains critères académiques. Voilà, j'avais un petit peu ces appréhensions, je pense, avant d'arriver. Aussi parce que j'avais cette crainte, et c'est un point de vigilance que plusieurs collègues du CNRS avaient mentionné, sur le risque, en fait, en arrivant à l'INRA, de se faire enfermer dans ce modèle très centré sur l'INRA. Pour toutes ces raisons, et parce que je ne connaissais pas l'INRA avant, et parce qu'on m'avait un petit peu mis en garde contre ce risque-là, je suis arrivée à l'INRA en me disant je tente le fait de rejoindre cette grande famille. Le fait de rejoindre Dynafor et le SAD, c'est ce qui me paraît le plus, on va dire, acceptable dans l'Institut, parce que c'est des approches dissidentes, justement. C'est ça qui m'intéressait. J'avais un petit blocage sur le nom du département SAD qui m'avait un peu gênée quand on vient de l'étranger. C'est toujours un peu bizarre, mais bon, maintenant, le problème est réglé, donc, puisque ça s'appelle ACT. J'ai vraiment, plutôt essayé de maintenir un équilibre entre ce que pouvait m'apporter l'INRA de nouveau par rapport à ce que j'avais fait au CNRS ou à l'étranger, en essayant de pas trop me faire enfermer dans ce modèle INRA sur lequel on m'avait invité à être vigilante. Et donc maintenant, je pense que petit à petit, je suis un peu plus à l'aise avec cette histoire et finalement, je redécouvre en vous écoutant et en lisant des choses que toutes mes intuitions que j'avais sur le département SAD et sur Dynafor et toutes ces réflexions de fond qui ont été menées, finalement, je l'avais un petit peu perçue, mais sans vraiment connaître l'histoire. Et là, ça conforte en fait le choix que j'ai fait de rejoindre l'INRA, et en particulier dans ce département. Un point intéressant peut-être, c'est que la même année, j'ai passé le concours côté INRA et côté CNRS. Et côté CNRS, j'avais bien compris que l'approche paysage un peu plus recherche participative, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient plus difficiles à faire passer du côté CNRS, hein, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a pas, il y a des avantages et des inconvénients des deux côtés. Et maintenant, je suis beaucoup plus à l'aise avec cette dimension historique et de remise en question de l'INRA, et peut-être moins élitiste aussi. Et je pense que le SAD, du coup, du fait de son histoire, la façon dont il a été créé aussi, me paraît vraiment très intéressant. Et j'adhère vraiment beaucoup à ça et je suis contente de faire partie de cette tendance-là. Et donc, maintenant, c'est quelque chose que j'apprécie de lire et sans avoir me dire « mince, je vais me faire embarquer dans quelque chose que je ne maîtrise pas ». Donc, je trouve ça très intéressant. Oui, donc tu es donc d'une certaine façon contaminé. Hein. On t'avait prévenu, mais en fait… Peut-être. Ça ne t'a pas vraiment protégé. Et plus sérieusement, en fait, je voudrais revenir avec vous deux sur la notion de système. Donc, elle est dans le premier intitulé du département SAD, Système agraire et développement. Dans le second, en fait, c'est Sciences pour l'action et la décision. Donc, la notion de système disparaît. Et puis aujourd'hui, avec ACT, donc action, transition, territoire, il semble que
effectivement, on passe de cette notion de système à une notion de, à la notion de transition. Donc, est-ce que pour vous, en fait, disons, la référence au système a perdu de sa valeur heuristique et de sa valeur un peu de dissidence qu'elle avait, effectivement, cette odeur de dissidence qu'elle avait dans les années 70? Est-ce que ça reste quelque chose d'important? Il y a, dans différents domaines scientifiques, des développements avec l'Institut des systèmes complexes, etc. Enfin, je veux dire, la question de système, elle n'est pas pour autant à mettre aux oubliettes de l'histoire épistémologique, mais pour vous, quelle est la vertu de cette notion? Est-ce que finalement, c'est quand même plutôt le fondateur d'un passé qui est derrière nous, ou c'est quelque chose qui doit être encore revisité, activé? Bernard, peut-être d'abord pour... Micro, hein, micro. Je vais couper mon micro pour écouter Clélia. Oui, alors, je dis pourquoi système agraire, bon, je ne sais pas trop, et c'est vrai que j'aurais pu aller chercher pourquoi, mais bon, en gros, c'était quand même, derrière système, c'était l'idée de privilégier les interactions plutôt que les entités. Bon, et du coup, tout ce discours autour de la complexité, il faut regarder ce qui est émergent, et en gros, on admet qu'un système complexe, c'est un système dans lequel qui ne fonctionne pas comme uniquement la somme de ses parties, mais ses parties mises en interaction, et que si on en retire une partie, ça ne fonctionne plus du tout de la même façon. Enfin, on était sur une espèce de raisonnement comme ça, très macroscope, hein, je pense, à l'époque. Ce qu'a vraiment travaillé donc Pierre-Louis Osti, comme tu l'as évoqué, sur le fameux système famille-exploitation, plus que sur le système agraire lui-même. Maintenant, pour aller plus loin, un certain nombre, en tout cas, bon, dont Bertrand, moi, puis ça a été quand même un moment important dans l'histoire du département, on s'est rapproché de gens qui travaillaient sur l'approche système, et en particulier sur Jean-Louis Lemoigne, hein, qui parlait, lui, de modélisation systémique, et qui l'opposait très clairement à, par exemple, l'analyse systémique. Bon. Et pour lui, l'approche système, c'est tout sauf si on rapprochait analyse, analytique et systémique, c'était complètement antagonique. Hein. Donc, c'était bien de regarder les choses en marche, en dynamique, en interaction. Un système, ça se transforme. Un système, c'est en interaction avec son environnement. Et c'est aussi ça qui le fait bouger. Donc, voilà. Et on a quand même travaillé un certain nombre d'années. On a fait plusieurs thèses avec Jean-Louis Lemoigne. On a plusieurs travaux, on a eu des sessions de formation, des séminaires, des choses comme ça. Après, moi, je dirais une bonne partie du travail sur mon mandat, bon, ça a été de faire prendre ça au sérieux. Hein, donc, de se dire que derrière, alors je dirais pas l'approche système ou la pensée systémique, c'est une façon en permanence de regarder le monde avec un regard critique et en essayant... Alors, pourquoi? Parce que, pour moi, alors moi j'ai pas mal travaillé avec Lemoigne et ses collègues, et ensuite j'ai continué ce travail-là avec des collègues étrangers dans le cadre de tout le courant de pensée sur les soft systems, donc plutôt des Britanniques et des Australiens, des Néerlandais. Pour moi, les systèmes, ils n'existent pas dans la nature. C'est un choix d'un observateur de dire « je vais prendre les choses comme si c'était un système ». Bon, je pense que c'est d'ailleurs là une des ambiguïtés du terme écosystème. Hein. Pour moi, l'écosystème à la Odum, c'est ça. Hein. C'est une modélisation de la réalité. Ça n'a pas d'existence physique. Un écosystème, ça n'a pas de dimension spatiale. C'est bien une construction intellectuelle pour se dire « je vais prendre l'ensemble des êtres vivants et de leurs relations avec leur milieu » comme si ça faisait système. Et ce que je vais m'intéresser là-dedans, c'est aux flux, c'est aux interactions, c'est aux transformations, c'est aux dynamiques. Mais moi, je dirais, concrètement, je n'ai jamais mis les pieds dans un écosystème. Voilà. C'est un modèle conceptuel qui relève d'entrée de jeu d'un choix de l'observateur pour se dire « je le construis comme ci plutôt que comme ça ». Ça nécessite évidemment d'être extrêmement clair sur le point de vue qu'on développe quand on dit qu'on soit conscient de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on le construit comme ci ou comme ça.
C'est pour ça aussi, j'ai dit qu'on avait renforcé Toulouse avec des sciences sociales, aussi avec des écologues, hein, qui arrivaient quand même avec ce type de formation. C'est-à-dire de regarder, plutôt que les performances des entités, les fonctionnalités, des interactions, des interdépendances, des rétroactions, entre des choses qu'on ne va plus qualifier d'entités, on n'est pas sur des modèles à la Forrester, c'est avec des boîtes qui se relient, mais comme des opérateurs en interaction. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui émerge de cet ensemble d'interactions. Alors moi, je pense que cette pensée-là, elle est bon, elle relève des cadres constructivistes et autres, qu'elle a toujours une certaine, enfin pas une assez grande performance, puisque c'est un choix intellectuel et méthodologique. Ce n'est pas une façon, donc souvent, c'est ça qui nous avait distingué des autres emplois systèmes, bon, système d'élevage, etc., où finalement, c'était un peu décrété que c'est un système. C'est très différent de se dire « je fais comme si ça fonctionnait comme un système ». Et c'était déjà dans la pensée de Pierre Loustil, en gros. Hein. C'était, ça s'opposait peut-être à l'exploitation agricole, de la sociologie rurale, de l'économie rurale, hein, qui était quand même quelque part un modèle de la ferme, mais qu'on finissait par confondre avec la ferme et à penser que l'économie agricole, l'exploitation agricole, ça permettait de la mesurer, ça permettait de la comparer avec d'autres au cours du temps sur bon, des rendements du travail, des revenus, des charges brutes, nettes et tout ce qu'on veut. Mais c'est loin d'être une ferme. Et je pense que le travail de Pierre-Louis, c'est, par son système famille d'exploitation, c'était bien de dire « je ne prends pas une ferme comme une exploitation agricole, mais comme un système, hein, c'est-à-dire un dispositif d'ensemble en interaction ». Je pense que ça, pour moi, ça reste performant. Mais c'est un point de vue épistémologique. Après ça, c'est, que ce soit dans le titre ou pas dans le titre, c'est autre chose. Et je dirais, tu dis par rapport à transition, transition, c'est une façon d'entrer dans la question du changement. Ça n'empêche pas qu'on puisse le prendre d'une manière systémique ou d'une manière, bon, je dirais, de STS, hein, comme les Néerlandais. Je veux dire, bon, le rôle des niches d'innovation dans la transformation, enfin, c'est d'autres façons d'aborder la transition. Bon, en gros, c'est de se dire si je prends par transition, c'est parce que ce qui va m'intéresser. Et ça, je pense que c'est quand même remarquable. En gros, on est très fort pour décrire l'état d'un système. On est très fort à l'aide de projections pour dire vers quoi il devrait aller. On a l'exemple très bien, par exemple, avec le changement climatique. Après, comment il faut faire pour changer les choses et aller vers l'objectif qu'on s'est donné ou éviter les objectifs dont on ne veut pas? C'est toute la question du changement. Et les réflexions de transition peuvent très bien se positionner là-dessus. C'est-à-dire regarder ce qui change. Regarder les changements d'état et pas uniquement caractériser les états présents et idéaliser les états futurs. Mais comment est-ce qu'on rentre dans le changement? Par quel type d'outillage? Transition me semble pouvoir répondre à ces questions-là. Si on le prend comme ça, hein, si on ne considère pas que c'est le nouveau buzzword qui va nous permettre de régler la question. Mais ça n'empêche pas, ce n'est pas contradictoire avec une pensée systémique, hein, qui est une autre façon de regarder les êtres et les choses et le monde dans lequel on agit. Alors ça implique immédiatement, ça a des conséquences très fortes, et ça les a eues dès le départ. Quand on travaille avec des partenaires et qu'on part d'une posture comme celle que je viens de dire, ça veut dire qu'on est dedans. Puisque c'est l'observateur qui dit ce qui fait système, donc forcément, il est dedans et c'est un choix subjectif. Et donc ça l'implique comme les autres. Et là, on avait aussi pas mal travaillé avec Jean-Pierre Daré, hein, qu'on n'a pas évoqué, mais un anthropologue qui a beaucoup travaillé justement sur le développement agricole. La manière dont on parle des choses nous rapproche ou nous éloigne des autres. Et dans la recherche-action, la recherche-intervention, la recherche clinique, la façon… Je m'arrête. Oui, je voudrais d'abord que Clélia réagisse sur… tu as dit… plusieurs choses qui sont fondamentales, notamment cette conception constructiviste. Hein, donc, le système, ce n'est pas un objet qui existe là, c'est une façon d'aborder la réalité. Et deuxièmement, sur
l'attitude vis-à-vis du changement, donc, et qu'on peut avoir avec une approche systémique, mais qui est peut-être plus explicite quand on pose la question en termes de transition, et ce qui veut dire que on a, quand on pose les transitions, d'emblée, me semble-t-il, et je voudrais la réaction de Clélia là-dessus, une approche en termes de gouvernance ou de gouvernabilité, c'est-à-dire quelles sont les transformations ou les transitions qui sont souhaitables et comment, en termes de recherche, en fait, on peut contribuer à ces transitions. Clélia. Et puis tu as été invité à réagir peut-être sur écosystème, socio-écosystème, voilà, donc ça fait pas mal de questions. Oui, du coup, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, notamment sur la définition d'écosystème, qui est évidemment centrale. Donc autant moi, j'avais pas vraiment entendu parler des systèmes agraires avant d'arriver à l'INRA, autant donc, la notion de système était centrale. Plutôt que juste se focaliser sur l'écosystème, assez rapidement, on en arrive à justement prendre en compte, surtout quand on s'intéresse à des milieux anthropisés, la dimension des activités humaines et donc le concept de socio-écosystème qui intègre à la fois les dynamiques écologiques et les dynamiques sociales. Avec un challenge associé à ça, qui est que les échelles de gestion et de gouvernance et les échelles qui sont pertinentes pour comprendre ces dynamiques écologiques ne sont pas forcément les mêmes. Donc ça, c'est un classique en écologie, ce qu'on appelle le scale mismatch. Et en fait, c'est un petit peu à cause de ça que je me suis intéressée au niveau d'organisation des paysages, qui est cette fois-ci défini conceptuellement comme un ensemble d'écosystèmes qui sont en interaction et dont la somme, le paysage n'est pas la somme des écosystèmes. Voilà, on a cet emboîtement de systèmes conceptuellement à prendre en compte. Et donc, c'est particulièrement pertinent pour beaucoup d'organismes que les écologues étudient, qui sont mobiles et qui sont donc dépendants d'un ensemble de milieux contrastés qu'on va assimiler à des écosystèmes et qui vont donc être influencés par la structure du paysage. Et ce paysage, c'est aussi quelque chose qui va parler aux acteurs et donc qui peut être une arène d'action qui permet de discuter des décisions, des modes de gestion et de gouvernance. Alors parfois, l'exploitation agricole, si elle est spatialement continue, peut être comparable à cette échelle écologique, ce niveau écologique du paysage, parfois non. Et c'est là où l'action collective, en fait, entre différents acteurs qui vont agir sur un même paysage va être clé pour comprendre cette dynamique des socio-écosystèmes, ou plus correctement, du coup, des paysages socio-écologiques. Et c'est vrai que pour les écologues, qu'on s'intéresse aux interactions qui prennent du temps, on sait que le système, il a un délai de réponse. Les interactions, par exemple, de proie à prédation, pour ne citer qu'elles, vont prendre du temps. On a des cycles, en fait, naturels de régulation. Donc, par définition, le système, il est dynamique. Il va traverser des phases d'évolution, de transition. Parfois même d'effondrement local, avec des perturbations, par exemple. Et donc, cette dimension temporelle, elle est aussi intrinsèque pour nous, je pense, à la définition de système ou de paysage, avec tout le challenge que ça représente de combiner à la fois une bonne conceptualisation de la dimension spatiale et de la dimension temporelle. Merci. La notion d'échelle est effectivement très importante et il faudra peut-être y revenir. Tu abordes aussi cette question effectivement de socio-écosystème et donc l'intégration des acteurs, l'intégration des activités humaines dans ces dynamiques. Ça me rappelle en fait, quand on regarde un peu les publications du centre, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites sur les prairies et les systèmes fourragers.
Et donc, je songe aux travaux notamment de Michel Duru, Alain Langlais, Gérard Ballante, Annick Gibon, qui ont beaucoup travaillé sur ces systèmes, notamment dans les Pyrénées. Et on voit bien, effectivement, qu'on ne peut pas comprendre l'exploitation agricole sans intégrer la prairie, la dynamique des espèces prairiales qui évoluent en fonction des pratiques agricoles. Évidemment, on ne peut pas comprendre le milieu, ce milieu qui est assez anthropisé, sans comprendre ce que sont les activités. Donc là, il y a vraiment la notion effectivement d'imbrication des deux systèmes, elle est essentielle. Et ça, alors je pense qu'on va y revenir, mais c'est évidemment un moment où on a un impératif de la transition vers l'agroécologie, ce rapport à la diversité des dynamiques et aux dynamiques écologiques, il est central. Mais tous les deux, vous avez évoqué cette question du rapport aux acteurs, et je voudrais revenir sur cette question, car c'est un marqueur fort du SAD, hein, de l'histoire du SAD, avec, en gros, et c'est peut-être un peu caricatural, hein, mais deux traditions, une tradition très ingénieure, hein, en fait, qu'on retrouve dans donc les disons la conception des outils d'aide à la décision. Par exemple, si je reviens sur Michel Duru, son modèle c'est pas tout sur les prairies, hein, donc on travaille sur une approche de système, sur une compréhension de ce que sont les pratiques, et on essaie de voir comment on peut proposer des modèles. Et là, c'est juste un modèle heuristique, mais c'est un outil d'aide à la décision pour améliorer effectivement les fonctionnements des systèmes. Et là, on retrouve une tradition très ingénieriale, hein, et on retrouve, disons, la formation des ingénieurs agricoles et agronomes, et puis une tradition qui est plus liée aux sciences sociales, une tradition de recherche action participative, et dont on voit, quand on fait un peu de scientométrie sur la question, effectivement, qu'elle est très très liée, et pas simplement en France et au SAD, mais très très liée au niveau international, à la question du développement agricole. Donc ma question, c'est de savoir, pour vous, quelle est l'actualité de ces approches, hein. Aujourd'hui, d'une certaine façon, le co-conception, co-production, co-construction, enfin voilà, on le décline un peu de différentes façons, ça devient presque mainstream. Et pour vous, sur le plan épistémologique, de quoi est-ce porteur, quels en sont les enjeux, est-ce que vous avez tous les deux est-ce qu'on partage, même tous les trois, hein, je dirais, cette perception de l'importance centrale, en fait, de ces thématiques pour la production de recherche. Clélia, d'abord. Oui, donc moi, ce que je peux dire, c'est que peut-être par rapport aux agronomes, à tout ce que tu as présenté, on peut peut-être avoir l'impression que les écologues vont être moins en lien avec l'action, en tout cas certains écologues. Et donc, je pense que c'est important de rappeler qu'il y a un gradient, en fait, de posture et de type de recherche en écologie. Et c'est vrai que peut-être une des différences, si je reprends mon historique, entre le CNRS et l'INRA, même si ce n'est pas aussi caricatural que ça, c'est ce souhait des écologues à l'INRA, et notamment dans le département SAD, d'être en lien avec l'action, que leur recherche ait un impact, et c'était bien pour ces raisons-là que je rejoignais le SAD. Et donc, avec des recherches beaucoup plus impliquées sur des enjeux sociétaux très forts, avec un lien aux pratiques agricoles, ce qui peut être aussi contribuer au fait qu'on soit peut-être d'un point de vue théorique considéré comme moins, d'un point de vue sur des critères académiques en tout cas, moins prestigieux. Voilà, ça reste une réalité, même si les choses évoluent, avec ce débat en fait sur la recherche en écologie fondamentale versus l'écologie appliquée. Et donc on a bien ce rapport à l'action, je pense, chez les chercheurs en écologie du SAD. Et je pense qu'on a vraiment une mouvance générale vers de plus en plus de recherches co-construites avec les acteurs. Au sens là, la recherche participative, la recherche, les sciences citoyennes aussi, qui sont en train de se développer
en écologie beaucoup. Voilà, je pense que clairement, on est dans cette mouvance, en particulier à DINAFOR, on a, avec l'arrivée aussi de renforcement en sciences sociales, on est des écologues qui étaient déjà sensibilisés à ces approches-là, et je pense qu'on continue vraiment, elles continuent à prendre d'ampleur, donc c'est vraiment toujours d'actualité. À la fois donc le volet ingénierie dont tu as parlé et le volet co-construction. Je pense que les deux maintenant se convergent assez bien. Ouais. Mais tu as le sentiment, c'est une question un peu sur la façon dont vous raisonnez là-dessus à DINAFOR. Est-ce qu'on peut travailler avec tous les acteurs ou est-ce que quand on fait des choix de travail sur une opération de recherche et avec peut-être des visées de changement, est-ce que il faut choisir ses alliés? Enfin, comment d'un point de vue très pratique, comment vous raisonnez cela? Parce que la coproduction, la co-conception, ça donne peut-être l'idée d'un monde plat, irénique, où finalement on œuvre tous pour le même monde commun. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a plusieurs conceptions de ce qu'est le bien et le mal, et on n'est pas forcément d'accord là-dessus. Alors évidemment, la recherche, elle doit être ce qui pose derrière la question de l'engagement de la recherche, évidemment. Oui, alors c'est une vaste question. Alors on est bien conscient de la diversité des représentations, des valeurs, des attentes de l'ensemble des acteurs. C'est pas du tout une boîte homogène. Ça, c'est aussi un des sujets d'études à DINAFOR et dans d'autres unités du SAD et ailleurs. La question des rapports de pouvoir aussi est centrale dans nos sujets d'études. C'est pas du tout un monde horizontal, il y a bien ces relations hiérarchiques. Il y a bien sûr des questions éthiques aussi qui se posent. Est-ce qu'on va travailler avec des grandes firmes sur les phytosanitaires, des choses comme ça? Ça, c'est des débats qu'on a de plus en plus récemment, peut-être aussi en lien avec la nécessité de financer nos travaux de recherche. On pourra peut-être y revenir. Ça change un petit peu notre posture, je pense, de chercheurs dans notre tour d'ivoire qu'on a pu peut-être avoir plus dans le passé, ou que certains écologues ont réussi à maintenir cette illusion. Là, ça demande vraiment de faire des choix, et donc on prend vraiment conscience, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, qu'on est vraiment des acteurs du système et pas juste un observateur externe au système. Bernard, sur ces questions? Oui, je trouve que c'est intéressant le point de vue qu'a développé Clélia sur vu par quelqu'un qui vient de l'écologie. Pour reprendre un peu, si tu veux, je sens assez bien les deux écoles de pensée que tu as rappelées, qui, je pense, peut-être après quand même une trentaine d'années du SAD, ont tendance à être à se rapprocher un peu, comme tu le dis aussi. Dans la vision ingénierique, on a bien sûr l'entrée qui restait quand même à observer les autres. Ça a été la théorie du comportement adaptatif à Dijon, des Michel Petit, Brossier et Chia. Ça a été le modèle d'action de l'agriculteur de Louis-Georges Soler et Michel Sébillotte. C'est-à-dire qu'on se donne une représentation de comment fonctionnent les autres. Et là, c'est pour reprendre une des phrases que tu as dit dans ton introduction, qui était quand même, on partait du postulat que les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Donc, essayer de comprendre ces raisons-là et pas de se dire d'entrée de jeu que parce qu'ils n'appliquent pas les trucs de l'INRA, c'est parce qu'ils n'ont rien compris à rien, qu'ils ne vont pas gagner de l'argent et qu'ils vont donc disparaître du paysage. Et puis, c'est vrai que les choses se sont posées quand même différemment pour partie des sciences sociales, sociologie pragmatique, ingénierie des connaissances, même une certaine forme de géographie sociale, puisqu'il y a vraiment des gens qui se réfèrent fortement à la géographie sociale. Et je pense certains écologues de rentrer dans des dispositifs de recherche-action, de recherche-intervention, pour parler comme les gens du CGS,
C'est-à-dire, puisque vient de dire Clélia, on est acteur, on rentre comme acteur, on s'expose à des processus d'apprentissage, et c'est l'action collective, c'est de l'action collective avec d'autres qu'émergeront des solutions de l'innovation. Alors pour moi, la conception innovante, elle est quand même plutôt là-dedans. Quand on part de la théorie du comportement adaptatif ou du modèle d'action, on a cadré le protocole d'observation de ce que font les autres. Quand on rentre en se lançant dans l'action collective et dans le système d'interaction, on ne sait pas ce qui va en sortir. Le produit de la recherche, il est émergent. Et si on veut se mettre dans ce qu'on appelle une co-conception innovante et non pas la conception réglée, pour reprendre aussi cette terminologie, ça veut dire qu'il faut ouvrir en permanence. C'est-à-dire qu'il faut que ce vers quoi on va, ça ouvre vers de nouvelles interrogations. Ça génère de l'innovation qui repose la question du coup d'après. Et alors là, pour revenir à la discussion d'avant, peut-être, l'équipement, donc je ne dirais pas moi l'approche système, mais la pensée systémique, c'est un équipement pour entrer là-dedans sans perdre ses bases, parce qu'on peut tout perdre là-dedans. On peut complètement se noyer et se prendre pour les autres. Et là, je renvoie à nouveau à Daré, qui a toujours dit qu'on aura toujours, en tant que chercheur, deux différences fondamentales avec les gens, les parties prenantes avec lesquelles on travaille sur leurs affaires. Donc, le premier, c'est qu'on a à l'évidence, enfin, on n'a pas forcément le même point de vue. En gros, les praticiens, ils ont un point de vue qui est lié à la pratique de leurs actions journalières, sans avoir une théorisation dessous. Nous, on a un point de vue qui est quand même cadré par les paradigmes et les concepts qui nous ont formatés intellectuellement dans notre cadre disciplinaire. Et ça, on ne peut pas s'en sortir, on reste des chercheurs quand même. Puis la deuxième différence, c'est celle du rapport aux objets. Je veux dire, le territoire, le paysager dans lequel il faut favoriser la biodiversité, mieux réguler la flotte, lutter contre des pollutions, le troupeau dont il faut mieux favoriser l'alimentation, la reproduction, tout ça, c'est bien le problème de la partie prenante. Ça ne sera jamais le nôtre. Ce ne sera jamais nos vaches, ce ne sera jamais nos moutons, ce ne sera jamais notre bocage, notre terrain, nos champs. Donc on aura aussi cette deuxième différence. Et là, je pense que d'où l'importance d'un équipement intellectuel pour rentrer là-dedans. Je veux dire, y aller naïvement en pensant qu'il suffit de se frotter aux autres et qu'on est comme les autres, ce n'est pas vrai. Et les autres attendent d'ailleurs autre chose de nous que uniquement de la bienveillance. Bon, ils attendent aussi que de cette action collective, ces apprentissages croisés, il émerge de nouveau qu'il soit des catégories et des règles pertinentes pour l'action. Et bien sûr, nous aussi, on tient à ce que ça soit aussi des catégories qui soient pertinentes pour la science. C'est-à-dire que quelque part, on produise des heuristiques qui sont transportables ailleurs, parce qu'une des limites de l'action collective, c'est qu'on ne va pas en faire dans chaque canton. Donc, comment est-ce qu'on fait par rapport à là où on travaille pour créer des principes heuristiques, transportables, reproductible, certainement pas des lois universelles, mais des éléments qu'on peut en tirer pour les adapter à d'autres situations, les transporter sur d'autres problèmes. On a cette responsabilité à nous qui n'est pas la même que d'améliorer la qualité de l'eau, la biodiversité ou les performances de mon troupeau. Donc, faut jamais perdre de vue ces deux distances croisées. Et je pense qu'on a besoin d'un équipement intellectuel. On a besoin de savoir où est-ce qu'on est, comment on travaille, comment on voit le monde. Et je dis, bon, la pensée systémique qui consiste à dire « c'est moi qui le vois et qui dit qu'il est comme ça », c'est une façon de se prémunir, de croire que c'est la réalité du monde et puis qu'on va tous s'en sortir. Et du coup, je parle pas des inégalités, des asymétries. Là, on va pas en refaire. Bon, c'est probablement un peu la critique qu'on peut faire aux approches forum hybride, forum sociotechnique du CSI. C'est que souvent, les règles d'entrée et les rapports d'intérêt, on va le dire comme ça, sont pas forcément très explicites. Bon. Mais donc, je pense que là, il y a un véritable enjeu méthodologique. D'où tout le travail qu'on a quand même fait, alors avec des gens, justement, la néerlandais, britannique, la filiale des Norman Long, de cette sociologie de la recherche-action et de sociologues pragmatistes, d'ailleurs, qui reviennent à la mode
dans le département, quoi, hein, de savoir ce qu'on fait dans le monde. Sinon, il y a grand danger. Et là, il peut y avoir un grand danger pour les écologues, parce que comme on n'a pas du tout été formé comme ça, le jour où on se retrouve dans le grand monde, c'est pas forcément de rajouter des SHS, c'est de rajouter un équipement intellectuel qui permet d'agir dans le monde, avec d'autres. Je voudrais faire un pas de côté dans mais quand même. Ah, mais t'aimes pas de toi. C'est mon expérience de danseur. Dans le prolongement de ce que tu dis, en fait, et faire référence aux expériences de croisement des savoirs. C'est notamment ATD Carmonde, hein, pour travailler sur la pauvreté et l'exclusion, a dit en fait les approches surplombantes des sociologues. Et qui définissent 1,25 $, enfin qui conduisent à définir des seuils de pauvreté, etc. C'est juste bon à mettre à la poubelle. Ce qui est essentiel, en fait, si on veut comprendre ce que c'est que la pauvreté et l'exclusion, ça nécessite de croiser trois types de savoirs. Le savoir académique, effectivement, qui est équipé à partir de différents cadres épistémologiques et méthodologiques. Le savoir-faire aussi, des acteurs qui ont à s'occuper de la pauvreté et de l'exclusion et qui ont une connaissance qui est liée à cette pratique. Et puis également le savoir d'expérience. Et le savoir d'expérience, ça renvoie à une façon d'être au monde, à des conditions d'existence, à une certaine subjectivité aussi par rapport à ce dont on discute. Et ce qui est très intéressant dans cette approche ATD Carmonde, c'est que il faut vraiment croiser ces trois savoirs en reconnaissant leur différence, comme tu le rappelles, Bernard, mais aussi en les faisant fonctionner ensemble, parce que si les personnes qui subissent la grande pauvreté et l'exclusion ne sont pas associées à ces recherches, il y a deux implications. La première, c'est que les connaissances qui seront produites seront de moindre qualité. Et la seconde, c'est qu'on passe à côté d'un phénomène qui était essentiel, qui est un phénomène que les Anglais ont qualifié de « empowerment », de capacitation. Et donc, du coup, là, je me retourne vers Clélia et vers, l'écologue. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on a une approche en sciences sociales, ces questions, effectivement, de diversité des savoirs, de subjectivité, de l'expérience, on ne peut pas en faire abstraction, en fait. On ne peut pas, c'est coûteux, à la fois sur le plan épistémologique et sur le plan de l'action, de les passer par perte et profit. Donc, je voulais savoir quel est ton sentiment par rapport à cela. Ce que ça m'inspire, c'est le fait d'avoir des écologues en fait qui sont souvent en lien avec l'action. Par exemple, un exemple qui me vient en tête, c'est en biologie de la conservation, où on va avoir des écologues qui vont être assez rapidement impliqués. Alors ça peut être en tant qu'expert, mais aussi dans le choix des questions de recherche qu'ils vont développer. Et ça, ils se rendent pas forcément compte donc de tous les raisons pour lesquelles ils font ces choix et les partis pris et la subjectivité en fait dans leur posture. Et ça, c'est quelque chose qui a vraiment, je pense, été très riche et qui continue à être très riche dans des collectifs interdisciplinaires où il y a à la fois des écologues et des sciences sociales qui apportent cette dimension réflexive et qui permet aux écologues justement d'être beaucoup plus conscients de leur posture. Des a priori et des enjeux en fait de différence de point de vue. Donc typiquement par exemple sur la question de la fermeture des paysages qui a beaucoup occupé les gens à Dinafort depuis longtemps, par exemple dans les Pyrénées ou le Massif central, il y a clairement eu aussi une évolution de la conscience en fait que les écologues ont de ce débat qui est vraiment un débat sociétal avec des construits sociaux, et c'est pas du tout une réalité physique, un des critères objectifs qu'il faudrait absolument conserver tel habitat ou telle espèce, donc avec des concepts qui sont apparus maintenant, qui est l'état de référence. Qu'est-ce qu'on conserve, pourquoi on le conserve, comment on décide, quels sont les processus de décision, de gouvernance qui font qu'on va décider de conserver
tel habitat, telle espèce ou telle autre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui prend de l'ampleur, je pense. Et c'est d'autant plus important que voilà, on a, en tant qu'écologue, on est de plus en plus amené à prendre position parce que des débats sociétaux s'amplifient. Je pense au changement climatique, au déclin de la biodiversité, sur des polluants, sur voilà, énormément de sujets qui nous amènent à avoir une posture de chercheur qui est de plus en plus inconfortable. Et je pense que d'être outillé, donc on a peut-être un petit peu plus cet outillage de pensée système, comme Bernard le disait, mais par contre, on n'a pas forcément l'outillage réflexif. Et donc, la combinaison des deux fait que maintenant, on a toute cette palette d'outils qui nous permet d'être plus à l'aise dans cette complexité de posture à laquelle on est confronté. Mais ça veut dire que vous pouvez aller jusqu'à... Bon, Bernard faisait référence à la sociologie pragmatique, hein, je suppose. Alors, ce n'est pas pour te poser des cols sur la sociologie pragmatique, hein, mais c'est juste pour poursuivre la discussion. En fait, une idée clé de la sociologie pragmatique, alors, à la, disons, Luc Boltanski et Laurent Thévenoud, c'est d'avoir développé cette idée qui est une idée centrale en sociologie de diversité des régimes d'action. Et qu'on retrouve en fait dans la théorie des sphères de la justice chez les philosophes comme Walser. En fait, quand je suis dans la famille, je n'ai pas les mêmes règles que quand je suis à l'armée ou quand je suis sur un marché. Donc, ce n'est pas les mêmes principes généraux, les principes de justice qui régissent en fait différentes sphères de la vie. Et donc, c'est ce que Boltanski et Thévenoud appellent des cités. Et donc, est-ce que vous avez y compris ce type d'intégration de ce type, enfin de alors c'est peut-être pas, je sais pas quelles sont les théories auxquelles vous vous référez, je devrais le savoir, mais la diversité des cités par exemple, hein, parce que Boltanski et Thévenoud ont montré sur un certain nombre de cas que ben oui, en fait on peut avoir vraiment des régimes qui sont hybrides, parce qu'on va mobiliser ce qui relève de la cité civile et de la cité industrielle, où on peut avoir des conflits qui sont finalement des conflits de valeurs. Voilà, donc qu'est-ce que ça, ce type d'approche, hein, la question n'est pas précise, hein, c'est plutôt général, est-ce que vous arrivez sur des terrains de recherche, est-ce qu'il vous arrive de l'intégrer? Alors là, je dois avouer qu'on s'éloigne considérablement de ma zone de confort. Et je suis sûre qu'il y a des gens dans l'assistance qui pourraient beaucoup mieux répondre que moi à cette question. Alors n'hésitez pas à intervenir sur la zone de questions, effectivement, si vous voulez effectivement apporter des compléments. Mais vas-y, Clélia, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Hein. C'est vrai, non, mais je ne sais pas. Après, Bernard est aussi. Oui, bien sûr, mais ça va être son tour après. Ouais. Non, moi, je pense que je vais utiliser mon joker là pour cette question. Désolée. Bernard, c'est toi qui a branché sur la sociologie pragmatique. Donc, est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus? Oui, mais juste, bien sûr que je peux élaborer là-dessus, et en particulier par rapport à ce que je viens d'entendre, qui m'a fait penser à une expérience que j'ai fait le lien avec ce que tu disais, du coup, ce que vous avez dit tous les deux, sur état de référence, et puis toi sur ATD Carmonde et la pauvreté, etc. Et moi, c'était le bon côté de fréquentation sur plusieurs années, hein, ce qui me concerne moi avec le Moigne, c'est qu'il y avait son groupe, là, AEMCX, pour la modélisation des systèmes complexes, où il y avait des gens, il y avait des réunions tous les ans, souvent à Aix, bien sûr, de 3 jours, des gens très différents, qui venaient de psychiatrie, qui venaient du travail social, qui venaient des énergies. Hein, puis c'était quand même, bien sûr, les réseaux de Lemoigne, hein, c'était tout... des ingénieurs, s'ils n'avaient pas fait Polytechnique, ils avaient fait Centrale, quoi. Alors, je me souviens de gens qui, travailleurs sociaux, sur la question, justement, de l'exclusion et de l'intégration, et qui avaient vraiment posé la question, et là, on est bien sûr les interférences, les frottements entre régimes de connaissances et systèmes de valeurs qu'il peut y avoir derrière les régimes de connaissances. Ben, il disait oui, mais enfin bon, tout ces, alors, il devait y avoir déjà les RSA à l'époque, tous ces dispositifs pour favoriser l'intégration de gens dont c'est absolument pas l'objectif.
Ils ne cherchent pas à être intégrés. Donc, et du coup, comment est-ce qu'on ne va pas les juger et on ne va pas agir avec eux en fonction de nos propres valeurs, de ce qu'on pense qui est bien, quoi, justement. Donc, ça questionnait complètement quel est le rôle du travailleur social vis-à-vis de gens qui n'ont aucune envie d'être intégrés. Bon, alors, ils n'ont pas forcément envie d'être... Donc, il faut changer aussi, du coup, les catégories sémantiques qu'on va utiliser pour ce travail-là. Et ça m'a fait résonner avec l'état de référence. Voilà. Bien. Moi, je ne sais pas ce que c'est non plus l'état de référence. Quoi. C'est comme l'intégration. Hein. On a l'impression comme ça d'un espèce de truc qu'on se donne, un objectif. Si quelqu'un est capable de me dire quel est l'état de référence d'une prairie pyrénéenne ou cosnarde, je n'en sais rien, puisque tu nous as bien dit avant, tout ça c'est dynamique. Ça n'a d'intérêt que parce que ça se transforme du fait des interactions, rétroactions qui l'animent et de ses relations avec le monde extérieur qui lui-même n'est pas stable, n'est pas statique. Et du coup, voilà, je veux dire, ne pas avoir peur dans ces rencontres entre régimes de connaissances. Derrière, les connaissances, elles sont portées par des sémantiques et par des systèmes de valeurs, enfin des visions du monde. Je renvoie du coup à Dudaré hein, et à ce que je disais tout à l'heure. La vision du monde, elle n'est pas la même. Donc, il faut apprendre à aller au-delà. Et ça, on est bien là-dedans, dans les équipements méthodologiques dont on peut disposer. Quoi. Mais est-ce que la première tâche de l'écologue, c'est de chercher l'état de référence ou c'est d'essayer de comprendre et d'interroger les autres pour leur dire pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un état de référence ? Bon, voilà. Et voilà, comme le travailleur social, est-ce qu'il faut absolument intégrer des gens ? Bon, pas forcément. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils vivent le moins mal possible en fonction de ce qui est bon pour eux, qui n'est pas forcément bon pour nous ? Bon, le bon pour eux étant quand même qu'ils ne meurent pas de froid les grands hivers, qu'ils n'attrapent pas la tuberculose, qu'ils n'attrapent pas la Covid. Bon, mais on gère comme ça de l'incertain, du flou, des trucs qui sont sur des interfaces de ce qu'on peut comprendre. Mais c'est là que c'est juteux, j'ai envie de dire. C'est là que pour la recherche, il y a un plus. Là, on va produire quelque chose qui est nouveau. Voilà. Si on se construit une théorie de l'intégration des non-intégrables, enfin bon, je veux dire, ou de la déconstruction de l'idéal d'un état de référence permettant néanmoins d'agir pour savoir comment accompagner les milieux dans leur transformation et qu'ils ne dérivent pas vers des états non souhaitables, je veux dire, là, on garde notre fonction dissidente. Je veux dire, on ne produit pas de la norme, tout en étant complètement engagé, justement, dans un vrai processus normatif. C'est-à-dire que, mais du coup, en reconnaissant la diversité des systèmes de valeurs, y compris des nôtres, mais on n'est pas là pour rendre service, on est là pour faire réfléchir sur ce qui gratte. Et alors ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder dans une boîte comme ce département. Hein. Le jour où on aura perdu cette capacité, je pense que l'INRA aura perdu. Je ne vais pas dire la recherche française, il y en a d'autres. Mais au moins, dans une maison comme l'INRA, qu'il y a un lieu où on commence justement par questionner ce qui va de soi, parce qu'on sait d'entrée de jeu que ce monde réel, il est fait de conceptions différentes et qu'on essaye de travailler sur ce qui peut rapprocher les gens, donc faire de la co-conception, mot-clé du PSDR. Hein, je veux dire, tous ces programmes PSDR, c'était co-construit. Bon, mais c'est... Moi, je me souviens les premiers PSDR que Michel Sébillotte a co-construit. Il mettait des mois à co-construire avec un conseil régional. C'est pas en allant les voir. L'idée géniale de PSDR, c'était de dire l'INRA met 1 euro, vous mettez 1 euro, et comme ça on travaille sur vos problèmes avec 2 euros, c'est formidable. Mais justement, Michel Sébillotte avait l'exigence de dire sur quoi on travaille, et on ne s'engagera à faire que quelque chose qui ait un sens. Et je me souviens, c'était Pierre Benoît, je ne sais pas si tu en as vécu, mais c'est des mois, la co-construction, c'est des mois. C'est pas aller convaincre 3 tartempions qu'il faut bosser ensemble. C'est des mois. Et bon, voilà, ce que je veux dire là, c'est la même chose. Et ça, c'est
c'est aussi quelque chose qu'il faut admettre, que la réalité, elle est complexe, elle est contradictoire. Et c'est ça qu'en fait aussi la richesse, le dynamisme et la possibilité d'en sortir. La possibilité que de ces frottements, que de l'action collective, émerge de l'innovation et de la solution à une situation qui est jugée insatisfaisante et qu'on pourra ainsi améliorer, changer, transformer. Faire réfléchir sur ce qui gratte, hein, ça peut être une belle définition de la réflexivité, hein, que il y a mentionné. Hein, donc, je pense, pour Clélia, il y avait le diptyque état de référence et réflexivité. Mais qu'est-ce que tu as, enfin voilà, donc qu'est-ce que tu as à répondre à ce que dit Bernard La question, c'est quand même celle du sens de la recherche, hein, qui est posée, pas simplement la méthodologie, mais finalement pourquoi on fait les recherches et d'où on part. Et voilà. Il y a deux idées qui me sont venues en écoutant ce que disait Bernard. C'était le premier, c'était finalement le fait de définir conceptuellement cet état de référence. C'était reconnaître qu'il n'allait pas de soi. Et donc, c'était peut-être une première étape dans ce processus de prendre en compte cette pluralité des valeurs accepter, enfin reconnaître ce fait que ça soit un construit, et dans un champ comme la biologie ou l'écologie de la conservation, c'est tout un programme. Un autre point, c'était que j'ai perdu là tout de suite, qui va me revenir. Je vais te poser la question autrement, Clélia, si tu permets. Hein. Une question assez classique, c'est finalement, quel est le porte-parole de l'écosystème, ou quel est le porte-parole de l'ours, quel est... Et donc, juste pour spécifier la question, on prend l'ours dans les Pyrénées. Selon la façon dont on va construire l'état de référence et selon les systèmes de valeurs dans lesquels on se situe, on peut avoir des attitudes tout à fait différentes vis-à-vis de l'ours. Hein, soit effectivement, parce qu'on a toute une série d'accords, il faut le garder. Co-construire, comme a voulu le faire Jean Lassalle, des façons de trouver des compromis entre les activités pastorales et l'ours, soit Laurent Mermet disait en fait tout ça c'est de la foutaise en fait, hein, parce que l'argent qu'on donne pour les ours, il va en fait aux bergers, et les populations d'ours ne cessent de baisser. Donc on peut avoir une conception effectivement qui est purement, je sais pas, moi c'est pas du tout ma spécialité, mais à partir des dynamiques de population et de la génétique de population des ours, effectivement sur les nécessités qui étaient propre à la dynamique de la population d'ours, et donc dire que l'impératif non négociable, et c'était un peu la position de Laurent Mermet, en fait, cette question-là, elle n'est pas négociable, quelle doit être la population d'ours sur un certain périmètre. Donc du coup, la façon dont on construit ce problème, je ne sais pas si c'est un état de référence, et ce qu'on met dedans, va être déterminante en fait pour déterminer le sens de l'action. Oui, alors ça rejoint tout à fait ce que j'avais prévu de dire, c'était sur le fait que si on reconnaît qu'il y a des construits sociaux, il faut aussi pas non plus oublier qu'il y a des réalités physiques. Oui. Et que donc il y a certaines choses qui peuvent être décidées, et il y en a d'autres par contre qui vont être défini par un fonctionnement écologique, par une réalité physique, et que celle-là, elle n'est pas négociable. Donc, sur le changement climatique, c'est un bon exemple des réalités physiques qu'on ne peut pas remettre en question, même s'il peut y avoir un débat sur plein d'autres aspects en lien. Ce qui est difficile, en fait, je pense, peut-être pour les écologues, c'est de ne pas être seulement dans cette sphère des construits de la décision, de la pluralité des points de vue, puisqu'on est aussi à cette interface avec des réalités très physiques et cette défense de l'environnement qui n'a personne pour la défendre, et donc certaines espèces en particulier, où on se retrouve d'autant plus à être acteur d'un système, puisqu'on est appelé très fréquemment à fournir une expertise pour dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut conserver, c'est quoi les priorités. Constamment, on doit prendre position.
Donc, du coup, on est sans cesse en train de naviguer entre, certes, c'est un ensemble de points de vue et c'est très complexe, mais en même temps, voilà, il y a cette réalité et ces priorités qui nous paraissent incontournables si on veut continuer à avoir un système qui fonctionne. Et c'est d'autant plus difficile, enfin, je sais pas, j'essaye de faire le parallèle avec la gestion de la pauvreté où on se dit, voilà, là, on gère une espèce, c'est l'espèce humaine. Quand on gère la complexité de la biodiversité, il y a un ensemble d'espèces, il y a des perdants, il y a des gagnants. Voilà, donc il faut faire des choix et cette complexité, elle nécessite des simplifications. Et quand en face, on sait qu'on a des enjeux économiques et des relations de pouvoir qui sont assez problématiques, ça peut être, en tout cas, c'est un point de vue de certains, de simplifier le discours et de choisir un angle d'attaque, on va dire, ou de contre-attaque plutôt, qui fait qu'on se retrouve aussi par conséquence de ces relations de pouvoir à simplifier beaucoup et à faire un choix qui peut être voilà, cet état de référence qu'on dit, qu'on choisit de protéger, de conserver. Parce que si on ouvre la boîte de « tout est discutable hein, » et on va décider, on a de fortes chances d'être… l'environnement a de fortes chances d'être perdant à la fin. Oui, oui, mais sûrement il faut intégrer ça avec ce que tu disais sur les échelles, la pluralité des situations, et il me semble que ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, on voit bien, en fait, si on prend le changement climatique, une des thèses qui me semble très convaincante de Stéphane Aycuit et d'Amidan, c'est qu'on a construit les connaissances et le régime politique essentiellement au niveau global. Or, l'action, en fait, elle doit se situer au niveau local, et entre un Indien du Punjab ou un Américain de Californie, effectivement, il y a des situations de vie qui ne sont pas du tout comparables. Et donc, du coup, les solutions, en fait, il faut les reconstruire en fait en remontant les échelles. Enfin, mais ça, c'est toute une discussion qu'il faut avoir. Mais je voudrais, en fait, donc on a à peu près épuisé le temps, mais peut-être laisser... voilà, c'est le temps du chat qui arrive. Voilà. Peut-être tous les deux, quelques minutes de conclusion, enfin une minute chacun en fait, hein, puisqu'il reste, il reste 3 minutes. D'abord Bernard et puis ensuite Clélia. Non, ben, moi je vais commencer par te remercier d'avoir permis cette discussion et de l'avoir animée. Merci bon, à vous. Hein. En tant que. Acteurs engagés aussi. Enfin, je veux dire, c'est des questions qui t'ont aussi traversé, enfin, sur lesquelles tu as des choses à dire et des choses que tu as faites. Non, moi, ma conclusion, peut-être que je l'ai dit tout à l'heure, hein, je ne vais pas me répéter. Je pense quand même pour moi que la première fonction du chercheur, c'est de s'interroger sur ce qu'il fait et de s'interroger sur la manière dont il construit les objets sur lesquels il va travailler. Et donc de les resituer. Alors, quand on est sur des sujets comme les nôtres, c'est bien de les resituer dans le faisceau, le tissu, le système de valeurs, de régimes de connaissances qui font que ces objets dits de société émergent à un moment donné et sont posés par certains comme un problème. Et qui est-ce qui dit que c'est un problème? Et qu'est-ce que moi je vais apporter? Et si je le prends comme ça, habillé en tête et brut de brut, finalement, est-ce que je ne vais pas favoriser telle chose plutôt que telle autre, sans m'en être rendu compte, au moins que si je le fais comme ça, je choisisse mes alliances en toute connaissance de cause. Et que je sache aussi ce que je vais apporter, va apporter à la production de connaissances scientifiques. Je disais des nouvelles catégories, des nouveaux questionnements. Donc que j'ai une responsabilité qui n'est pas seulement... de répondre à une question, mais de transformer une question en ce qui est une problématique qui permet de travailler ensemble entre des chercheurs et des praticiens, pour être bref, quel qu'il soit, de l'environnement ou de l'agriculture ou de l'alimentation, des gens qui sont dans les systèmes de la pratique, donc qui ont d'autres systèmes d'intérêt. Et je pense que, quelque part, on a besoin, dans un établissement de recherche finalisé, d'un lieu, d'équipe, de gens qui se posent des questions comme ça, parce qu'en fait, ils préparent le coup d'après. Donc, pour terminer, pour dire, voilà, quand on se fait dire maintenant, bon, les systèmes, il y en a partout, il n'y a plus besoin d'avoir un département qui s'appelle comme ça, là,
Bon, ben, ce n'est pas aussi simple. Voilà. Merci, mais ce n'est pas le système que je veux défendre, hein. C'est le, être dans le coup d'après. Et le coup d'après, je crois qu'on vient d'en parler dans les derniers échanges. Oui, oui. Clélia. Oui, moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que dans ce sens-là, l'approche système, on peut dire qu'elle a en effet percolé pas mal et qu'elle est assez présente dans un ensemble de collectifs de recherche. Je ne peux pas m'empêcher de faire un point sur le fait que ce que j'ai constaté aussi, c'est que cette approche système et cette approche interdisciplinaire aussi, qui donne beaucoup de poids aux interactions entre les gens, à cette réflexivité et qui se pose la question de pourquoi on fait les choses, elle nous a aussi permis, et moi à titre particulier, de réfléchir à comment on mène la recherche, alors en tant que DU au niveau de l'unité. Je pense que ça a aussi des implications si on est d'accord que les composantes du système sont tout aussi importantes que les relations entre les composantes du système. Je pense que ça a des implications aussi sur le fonctionnement de la recherche à tous les niveaux. Et donc, dans ce sens-là, c'est toujours une dissidence de rappeler ça à certaines personnes qui prennent des décisions sur la façon dont on est censé fonctionner. Voilà, cette vision beaucoup plus collaborative, collective, je pense qu'elle est importante à rappeler aussi, pas seulement sur nos objets de recherche, mais aussi sur nous-mêmes, de se l'appliquer, cette réflexion, à nous-mêmes en tant que chercheurs. Merci infiniment pour, à tous les deux pour ces échanges que j'ai trouvé vraiment passionnants. Donc, il y a beaucoup de choses, beaucoup de pistes en fait qu'il faudra poursuivre, élaborer, creuser. Le dernier mot à Sandra, peut-être. Donc rapidement, merci à tous. Donc le replay sera bientôt disponible sur l'intranet. Et puis simplement, je vous annonce le prochain webinaire qui va être un petit peu décalé, qui sera donc au mois de février et qui sera sur la question de nos plateformes avec Claude Chevalet, Bruno Strasser, enfin intervenant à confirmer et puis encore webinaire à organiser. Mais donc ce sera le 4 février 2021. Voilà, merci. Merci à toutes et à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.